Et bonjour tout le monde, ça y est, nous sommes en direct aujourd'hui pour cette conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie en compagnie de Dominique Jacob pour retrouver sa mission d'âme, être co-créateur de sa vie. Donc, vous êtes bien au bon endroit, au bon moment, juste maintenant. Vous allez d'ailleurs pouvoir nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Vous pouvez nous mettre un 5 sur 5, un c'est parfait aussi, hein. Ceux qui me suivent savent que j'adore quand on écrit c'est parfait. Tout va bien. Vous pouvez également vous présenter, nous dire bonjour comme Pascal qui nous dit bonjour très, très gentiment. Vous Bonjour pouvez Pascal. également, nous dire d'où vous venez. Ça nous fait toujours plaisir de savoir eh bien, d'où vous êtes, car grâce à Internet, on peut toucher la francophonie mondiale. Et de chez vous, vous avez la chance de pouvoir assister eh bien, à ces conférences hein, très régulières sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour vous aider à vivre une vie meilleure, pour vous aider donc eh bien, dans votre vie quotidienne. Ce serait fort sympathique à vous. Alors, bonjour Joey qui nous appelle du Québec. Enfin, qui nous appelle, parce qu'il dit allô, alors du coup, je dis qu'il nous appelle, mais qui nous suit du Québec. Donc, a priori, c'est qu'on doit bien nous entendre. Pascal est de La Rochelle. Quand je vous disais, hein, la francophonie mondiale. Dominique nous dit que c'est parfait. Ah, Dominique, je t'aime déjà. Et puis, ben, essayez d'être le moins distrait possible, éteignez la télé, etc., etc. Si vous le souhaitez, moi, je prends toujours une feuille où je note le titre de la conférence ainsi que l'intervenant et la date. Comme ça, ben, s'il y a quelque chose qui me percute, tout de suite, je peux le noter. Et mon cerveau va mieux l'enregistrer, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc, je vous garantis que pour le vôtre, ce sera pareil. Et qu'est-ce que votre cerveau va pouvoir enregistrer aujourd'hui? Si vous êtes là, c'est parce que vous avez peut-être parfois la sensation d'être sur un chemin qui n'est plus vraiment le vôtre et que votre vie, eh bien, aujourd'hui, manque de sens. Vous vous posez de nombreuses questions et vous vous sentez en décalage permanent. Vous vous demandez peut-être comment pouvoir aligner corps, cœur, âme, esprit, vos vies passées, vos lignées familiales, retrouver l'origine de vos mots. Avez-vous d'ailleurs déjà fait un cadeau à votre âme? Avez-vous envie de retrouver votre souveraineté face à la vie, face au divin, de retrouver un sens à votre vie? Alors je pense que vous avez dû répondre oui à quelques-unes de ces questions. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir que, conscient que chacun est unique, en fait, Dominique, dans ses différentes pratiques, en fonction des besoins spécifiques, va mettre tout ça au service de ce voyageur de l'âme pour s'ouvrir à plus de conscience et marcher sur son chemin d'éveil. Dominique est également praticienne en constellation familiale, selon Bert Hellinger, ou Hellinger. Je sais pas, vous dites un peu comme vous voulez. Il m'en voudra pas, je pense. Donc, praticienne en régression mémorielle, selon Patrick Drouot. Ça, c'est plus facile à dire déjà tout de suite. En soins énergétiques et spirituels, sophrologue, caïcédienne de communication ouverte, ça, selon Jacques Salomé. Enfin, elle s'inscrit dans la lignée des thérapeutes d'Alexandrie, dans la voie du cœur, selon Jean-Yves Leloup. Et aujourd'hui, nous avons la chance de l'avoir parmi nous, Dominique, n'est-ce pas? Et elle va pouvoir conjuguer bien toutes ces disciplines, en fait, et toute son expérience pour nous amener à retrouver notre mission d'âme et de devenir, de redevenir créateur, co-créateur de notre vie. Donc, c'est tout un programme. Et comme je pense que je vous ai bien mis l'eau à la bouche maintenant, eh bien, je vais, par la magie d'Internet, mettre Dominique en grand, 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 et vous allez pouvoir profiter de tout ça. Voilà, voilà, j'ai disparu dans un petit coin. Alors, je te remercie infiniment, Stéphanie, d'avoir pris tout ce temps pour me présenter. La carte de visite semble bien grande, mais en fait, il est un fait que je suis thérapeute depuis plus de 40 ans. J'avais fait une présentation préalable, mais je vois que tu m'as
suffisamment explicité ce que qui je suis pour peut-être passer plus rapidement à la présentation de mon travail. Alors effectivement, ce que j'avais envisagé de dire, mais tu l'as fait et je t'en remercie, c'est effectivement de garder à portée de main une feuille de papier blanc parce que vous aurez peut-être la possibilité dans les exercices que nous allons faire, bien que ça ne soit pas un atelier que nous ferons plus tard, c'est-à-dire la semaine prochaine, le 5 octobre, mais juste quelques petites assises en silence qui vont nous permettre de comprendre comment on peut avancer dans un processus. Alors, donc, avant de commencer, je voudrais vous remercier à Académie Nouvelle Vie parce que j'y suis déjà depuis quelque temps pour présenter des formations, des web formations en biopsychogénéalogie. Et donc, je suis toujours heureuse de rencontrer des nouvelles personnes, et entre autres Stéphanie aujourd'hui, qui sont dans une grande bienveillance. Alors, merci à ce site qui a vraiment de nombreux accompagnateurs extrêmement bienveillants. Bah, merci à toi et j'en profite d'ailleurs parce que tu parles de bienveillance, j'ai oublié de saluer nos amis qui nous regardent en direct sur YouTube. Bonsoir, bonjour, pardon, Dominique de Savoie, bonjour Alicia de Suisse à Fribourg et bonjour Laurence des Yvelines. Voilà, voilà. Parfait. Alors oui, je vous dis à toutes et à tous bonjour. En fait, nous allons expérimenter ultérieurement, donc comme je vous disais dans l'atelier, de nombreux exercices qui sont à la fois simples, mais fiables et efficaces. Cependant, aujourd'hui, j'émaillerai notre rencontre de quelques moments privilégiés où nous allons pouvoir être à l'écoute de notre âme. Cette âme qui est en permanence là et qui nous souffle avec douceur et bienveillance ce que nous avons de meilleur à réaliser, mais que malheureusement, nous n'écoutons pas toujours avec beaucoup d'attention. Alors, comme l'a gentiment présenté Stéphanie, oui, j'ai eu plusieurs casquettes, effectivement, mais pendant que je faisais mes classes, je dirais, aussi bien avec des thérapeutes comme Anne Ancelin, comme Jodorowsky, comme Sabat et autres, ça c'était sur un plan mental, intellectuel, mais j'avais besoin de me frotter l'âme à celle d'autres civilisations. Et en ce qui me concerne, je suis allée voir des peuplades que l'on dit primitives et qui en fait le sont beaucoup moins que l'on peut le croire. Et ces voyages intérieurs, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, eh bien, m'ont permis de prendre plus de, comment dirais-je, plus de pratique, avoir plus de pratique pour être relié à la source. Ce que j'ai retiré de ces voyages initiatiques, ce sont ces peuples qui, eux, n'ont pas un mental aussi fort que nous, qui n'ont pas cette notion que les Européens ont souvent. Ils sont plus à l'écoute et plus en confiance à leur petite voix, à leur intuition. Ils vivent en osmose avec la nature, mais aussi avec leur nature profonde. Donc, j'espère pouvoir être cet après-midi suffisamment contagieuse pour vous inciter à pratiquer. Il n'y a rien d'autre que la pratique pour entendre cette petite voix intérieure qui est toujours là. Nos guides sont toujours là. Et ils, parfois, dans nos expériences, parfois douloureuses, ils souffrent et notre âme pleure parce que nous n'avons pas forcément écouté cela. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous dire qui sont les deux
êtres derrière moi qui sont importants pour moi. Je pense que l'une des deux photos, vous connaissez parfaitement. Il s'agit de Amritananda Mayi, Amma. Et l'autre, c'est mon maître actuel, Sri Vishwananda, qui est un maître réalisé de la même manière que Amma, beaucoup plus jeune, comme vous pouvez le voir, et qui, tous deux, sont venus juste par amour pour accompagner l'humanité dans ces moments de transition, dans ces moments de changement tels qu'ils sont en train d'avérer. Et je me relie à eux autant qu'à mon guide et mon ange gardien, parce que nous avons plusieurs guides, nous avons plusieurs anges, mais je me relie à eux particulièrement parce que ces êtres ont la compréhension de nos karmas, ils ont la compréhension de ce que nous avons décidé de venir faire sur cette terre, pourquoi nous nous sommes incarnés dans telle ou telle famille pour vivre telle ou telle expérience. Alors, comme je vous disais, dans ces voyages initiatiques extérieurs et intérieurs, eh bien, ça m'a permis de me connecter un peu plus à ma source créatrice, celle qui coule en moi et qui me permet d'avoir une autre perception du monde. À ce sujet, je voudrais partager quelque chose pour vous montrer combien il est important et parfois vital d'écouter sa voix intérieure. Il y a 2 ans, j'ai eu, tout au long de l'année 2016, j'ai eu le besoin, une nécessité absolue d'écouter une musique angélique, je dirais, une musique sacrée qui me tirait les larmes et je ne savais pas pourquoi, mais c'était de manière incoercible. Il me fallait écouter ce son, cette musique des anges. Et en fait, je vais juste partager avec vous ce qui m'est arrivé fin 2016, début 2017. Alors que je devais être à Paris pour fêter Noël avec mes enfants qui sont parisiens, j'ai entendu qu'il fallait absolument que je parte en Allemagne retrouver ce maître qui a donc cet ashram dans le sud de l'Allemagne. Je n'avais ni passeport, ni billet, ni place dans son ashram, mais j'ai fait confiance à la vie, j'ai fait confiance à cette petite voix intérieure qui me demandait de partir, j'allais dire mini-militari. Et bien que mon passeport était périmé, alors que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup voyagé à l'étranger, me suis rendu compte que mon passeport n'était plus valide. Et en 2 jours, j'ai eu ce passeport. Déjà, c'était un petit miracle. C'était déjà une création de l'univers, une aide de l'univers. Parce que à Noël, il est quasiment impossible d'avoir des papiers officiels en si peu de temps. Donc, je suis partie en Allemagne. Je suis arrivée juste quelques heures avant le début du Darshan. Et le Darshan, c'est la bénédiction du maître. J'ai été admise dans une chambre avec une jeune femme qui, elle, souhaitait faire la bénédiction le lendemain, ce qui m'a donné l'opportunité de le faire le jour même, alors que je n'étais pas inscrite. Et bien m'en a pris d'être là. Car le lendemain, alors que nous ne devions pas voir Sri Vishwananda, j'ai senti qu'il était nécessaire de descendre dans le hall de l'ashram pour, en fait, je ne savais pas trop quoi. Mais je sentais qu'il fallait absolument descendre. Eh bien, au bout de quelques instants, je me suis retournée parce que j'ai entendu un bruit et j'ai vu arriver Sri Vishwananda, alors que nous étions normalement 3000, nous n'étions qu'une quinzaine, une vingtaine autour de lui. Et à l'instant où il est passé devant moi,
j'ai eu une douleur absolument hallucinante au niveau du cœur et j'ai fait une crise cardiaque devant lui. Il m'a regardé au fond de l'âme et j'ai senti comme du miel passer dans tout mon être. J'ai senti comme une cascade d'eau qui me lavait, qui me nettoyait, qui me guérissait. J'ai été envoyée évidemment quand même à l'hôpital. Nous avons fait des vérifications et nous n'avons rien trouvé. Je vais être guérie. Alors bien évidemment, j'étais évidemment pleine de gratitude pour ce maître. J'étais aussi pleine de gratitude vers mon âme qui m'avait poussée à partir alors que ce n'était absolument pas prévu. Et en revanche, je voulais avoir cette certitude puisque vous savez bien combien les doutes peuvent être invalidants. Mais en ce qui me concerne, ce n'était pas un doute négatif, invalidant, mais un doute de gratitude juste pour que je reste suffisamment en humilité pour être sûr que c'était bien ce qui m'était arrivé. Eh bien, ce qui a été intéressant, c'est que le soir même, alors que nous allions dîner dans le réfectoire de l'ashram, deux personnes devant moi se parlaient et disaient ceci. Sri Vishwananda nous a dit ce matin que trois personnes avaient eu une crise cardiaque et que la troisième personne, sa crise cardiaque n'aurait pas lieu. Eh bien, ceci m'a donné la confirmation que ce que je sentais était juste, que ma venue était juste et que cela avait du sens d'écouter sa voix. Et dans le cas précis, ça aurait pu être pour des raisons vitales. Alors, je vous invite vraiment à être totalement à l'écoute de cette petite voix et de ne pas la discuter. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est d'être assez contagieuse, je dirais oui, contagieuse, pour que vous acceptiez de croire à cette capacité qui n'est pas réservée à quelques personnes, mais qui est en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous, et nous possédons en soi, en nous, ce pouvoir créateur. Et en tant que créateur, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à créer quelque chose qui soit un cadeau que mon âme a envie de me faire? Est-ce que je suis prête à accueillir avec compassion ce qui m'habite? À accepter de prendre le temps d'écouter cette petite voix intérieure qui me souffle avec douceur et persévérance, et combien persévérance, pour que nous allions et que vous alliez vers votre juste chemin à suivre et que nous écoutons si rarement. Alors, êtes-vous prêt aussi à choisir seulement ce qui va vous apporter de la joie et de la satisfaction? Une joie intense. Et c'est à cela que l'on va reconnaître si on est dans son plan de mission. On va aussi se demander, est-ce que pour créer cette nouvelle vie, qu'est-ce que je veux vraiment expérimenter? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à créer cette vie? Et de faire de cette vie comme un dessin. Un dessin, je vous ai dit, prenez une feuille de papier. Et c'est de la même manière que vous pouvez co-créer votre monde en vous appuyant sur cette page vierge. Vous aurez une inspiration qui ne sera pas ni diminuée ni altérée. En effet, souvent cette page vierge, elle est altérée
parce que nous avons des mémoires de situations douloureuses, de situations invalidantes, de nos doutes, de nos résistances, de nos croyances limitantes. Alors, pour pouvoir accepter de vous reconnecter à votre essence, à votre être profond, qui est un moment privilégié pour épanouir votre être dans plusieurs dimensions, alors il faut entrer en résonance avec l'énergie quantique d'amour de nos guides et de nos maîtres. Ce sont ces moments de silence intérieur, qui nous permettent de faire taire notre mental pour se poser un instant dans un instant présent et de pouvoir alors devenir co-créateur d'une vie qui aura des reflets en fonction de vos aspirations profondes et non pas des demandes de votre mental ou de votre ego. Lorsque nous avons cet espace disponible, nous pouvons alors nous poser la question « Qu'est-ce qui me met vraiment en joie ? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur ? Qu'est-ce qu'aspire mon âme ?» Lorsque nous trouvons vraiment et nous nous reconnectons à nos désirs, et si nous réalisons nos intentions, si nous les comprenons, si nous les validons, si nous les intégrons surtout, alors ces expériences deviennent vivantes et elles nous font grandir et évoluer. Mais cela nécessite de créer. Et comme je disais tout à l'heure, de faire de la page blanche un nouveau script. C'est-à-dire de guérir les blessures qui nous polluent, de mettre à jour nos croyances limitantes et surtout d'oser vivre le meilleur. Cela demande de l'audace et cela demande un grand amour pour soi. Souvent, nous sommes meilleurs avec les autres, nous sommes plus compatissants, plus bienveillants. Mais qu'est-ce que nous pouvons être dur avec nous-mêmes, ne pas oser croire que nous sommes plus grands que ce que nous croyons. Nous sommes comme des petits dieux. Nous sommes en reliance, nous avons été acceptés. Nous avons accepté de venir sur cette terre pour être à la fois créateurs, mais aussi être l'outil de création. Alors oui, osons être audacieux et osons avoir suffisamment d'amour pour nous. Et l'œuvre de notre vie n'est-elle pas d'être lumineuse? Il suffit de rester conscient que notre pouvoir de création est comme un océan. Il ne nous appartient pas, mais nous avons toujours la possibilité et le libre arbitre de entrer dans cet océan. Alors, je vous invite maintenant à prendre un petit temps qui va nous permettre de nous aligner le corps, le cœur, l'âme, l'esprit pour trouver en vous force, présence et confiance. Quand vous allez vous sentir aligné et en pleine gratitude envers la vie, elle se met alors à votre service. Et vous allez à ce moment-là ressentir que vous êtes beaucoup plus vaste et beaucoup plus merveilleux que ce que vous pouvez penser et ce que vous avez pu expérimenter jusque-là. Vous êtes des âmes qui avez choisi de venir expérimenter la vie sur cette terre.
Vous êtes des âmes qui avez choisi une situation particulière pour avancer, pour comprendre, pour décider des changements afin de faire grandir votre âme. Et bien sûr, en grandissant, vous avez la possibilité de choisir des circonstances qui parfois sont douloureuses afin d'accepter. Alors, lorsque vous aurez des expériences particulières, apprenez à écouter, posez-vous la question, qu'est-ce que cette expérience me fait vivre? À regarder aussi autour de vous, parce que la vie est faite aussi de rencontres, la vie est faite de synchronicité, la vie est faite de moments particuliers, privilégiés, qui ont été amenés vers nous pour nous aider à transmuter certaines choses. Donc, essayez d'apprendre aussi à ressentir, ne pas rester dans une expérience négative, mais de ressentir ce qu'elle raconte. Car le monde subtil, qui est le fondement de toute chose, est manifesté dans le plan le plus dense, qui est appelé la matière. Donc, ressentir, écouter. Cette expérience est basée sur la conscience que le corps, l'âme et l'esprit sont intimement liés et que cette expérience fait appel à l'aide et à la présence de nos guides et de nos anges de guérison. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils nous accompagnent tout le temps. C'est nous qui n'ouvrons pas toujours la porte. C'est nous qui n'écoutons pas toujours leur voix douce et bienveillante. Nous avons de nombreux guides, nous avons de nombreux anges. Lorsque vous êtes dans cette présence, lorsque vous êtes dans cette conscience corps, cœur et âme et esprit, eh bien, vous allez avoir la notion de fluidité, de légèreté, de libération, d'ouverture, de clarté, de paix intérieure, de joie de vivre même, et d'amour, et de plus en plus d'amour dans votre vie, au quotidien, qui va conduire bien sûr à une guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Alors, il existe deux aspects majeurs de votre mission d'âme. On les connaît peu, mais ils sont à suivre dans un certain ordre. Dans une première partie de vie, nous avons un programme que l'on appellera le programme prioritaire de guérison. C'est-à-dire que nous sommes venus, nous avons choisi de venir sur cette terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, en prenant un terreau particulier qui va nous mettre sur notre chemin des obstacles, des challenges, des défis que nous avons à dépasser pour aller vers le deuxième aspect qui est un autre programme, qui est celui du programme de votre âme plus précisément et qui est le programme d'acceptation et surtout celui de votre âme qui va être votre mission de vie vraiment. Alors, si l'on prend un exemple, nous sommes venus sur cette terre avec, comme le disait si bien tout à l'heure Stéphanie, nous ne sommes pas parfaits. À ce sujet, je voudrais faire une petite digression. Je voudrais remercier les personnes qui s'étaient connectées pour ma conférence de la semaine dernière, mais j'étais souffrante. Et je n'avais absolument plus de voix, ce qui ne m'a pas permis d'honorer notre rendez-vous. Bien oui, nous avons des moments où nous pouvons être déstabilisés, où nous pouvons être
peut-être pas totalement alignée. Personnellement, je sais personnellement pourquoi j'ai, la semaine dernière, eu la parole coupée. J'avais vécu quelque chose qui a été pour moi douloureux et je n'ai pas pris le temps, je l'avoue, de nettoyer ce choc émotionnel qui a fait que je n'avais plus cette capacité de parole. Ma parole m'avait été en quelque sorte comme enlevée. Donc, tout ce programme prioritaire de guérison, nous allons pouvoir nous connecter justement à vraiment ce que nous portons. Est-ce que, par exemple, nous portons des ressentis d'abandon, de trahison, de rejet, de doute excessif, de dépendance, quelle qu'elle soit, affective ou autre? À chaque incarnation, l'âme vient guérir une blessure majeure. Et en fait, c'est cela que nous allons pouvoir expérimenter aujourd'hui dans un petit exercice, mais nous irons beaucoup plus profondément avec d'autres exercices lors de l'atelier, expérimenter justement cette blessure majeure. Elle a tendance à attirer, en quelque sorte, la correspondance. Si, par exemple, vous avez tendance à vous rejeter ou à vivre du rejet, eh bien, vous allez attirer des expériences de rejet, soit dans la famille, soit dans la vie professionnelle ou amicale. Et par exemple, je donnerai l'exemple d'une fille qui se sent rejetée et en fait, la famille souhaitait un garçon alors qu'elle est une fille. On verra que dans sa vie, si elle ne nettoie pas cette croyance, parce que ce sont aussi et des ressentis et des croyances, eh bien, elle continuera à vivre ses expériences de rejet. Si, par exemple, elle se sent dépendante affectivement, eh bien, il sera important de développer l'amour d'elle-même, l'amour en elle, pour se sentir autonome. Tant que l'expérience n'est pas comprise, eh bien, il va y avoir des résonances, des résurgences, des cycles mémorisés. Et ça, nous le voyons très, très bien en psychogénéalogie, en décodage biologique, pour les maladies comme pour tous les piliers de notre être, que ce soit l'affectif, la sexualité, le travail, la santé, la communication. Tout cela, tant que nous ne comprenons pas et surtout tant que nous n'acceptons pas sans jugement, eh bien, la vie se proposera de nous faire revivre ces expériences qui sont invalidantes, qui sont douloureuses. Alors, comment reconnaître votre programme de guérison? Eh bien, en observant votre vie. Quelle est la blessure qui se répète sans cesse? Sur quoi butez-vous? Malgré tous vos efforts, malgré toute la bonne volonté que vous avez à ne pas les reproduire, qu'est-ce que je répète sans cesse? Comme nous attirons en résonance, par résonance, les expériences qui sont reliées à notre blessure, ce qui nous fait le plus de mal, ce n'est pas la blessure elle-même, c'est l'expérience qui vient toucher une blessure ancienne qui est encore ouverte. Alors, comment se libérer de cette blessure ouverte? Le mot clé, le maître mot, c'est l'acceptation. Ce n'est pas facile. En fait, à partir du moment où on dit oui, à partir du moment où on n'est plus dans le refus ou le rejet d'une situation,
ou dans le jugement d'une situation, eh bien, nous guérissons, je dirais de manière extrêmement facile. Parce qu'en fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter. Et surtout, de ne pas nous juger ou de juger les autres ou de juger une situation. Plus je repousse une situation, plus elle me revient en boomerang. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut se résigner, être passif. Mais c'est passer à l'action qui va permettre de changer ce qui peut être modifié. Une autre piste de guérison, c'est de voir comment vous allez alimenter vos blessures. Parce que je suis certaine, les uns et les autres, que vous avez certainement répertorié certaines de vos blessures. Ça peut être la trahison, le rejet, la colère, tout sentiment négatif. Mais comment vous les alimentez? Souvent, vous n'êtes pas en conscience avec cela. Alors, regardez comment vous interprétez les signes de rejet. Peut-être même que inconsciemment, vous allez tout faire pour être rejeté. Le mot-clé de nouveau, c'est votre responsabilité. Et parce que vous êtes responsable, parce que vous voyez ce qui se joue, alors vous retrouvez votre pouvoir d'action. Votre mission d'âme est aussi de venir partager les qualités opposées à votre plus grande blessure. Alors ça, c'est surprenant, mais c'est cela qui est extrêmement important de comprendre et de pratiquer. D'aller non pas contre la blessure, c'est-à-dire contre le sentiment de rejet, le sentiment de trahison ou toute autre chose, mais au contraire, accueillir, accepter et vous efforcer d'aller vers les autres valeurs. Vous allez guérir de cette blessure, vraiment, si vous acceptez d'aller vers les opposés. Et ainsi, si vous allez et si vous pratiquez les opposés, eh bien, vous ne croiserez plus des personnes qui sont eux-mêmes dans cette même vibration, dans cette même blessure. Et ce que je voudrais vous faire passer par là, c'est que à partir du moment où vous faites ce travail pour vous-même, cet apaisement, cette guérison, vous le faites pour l'ensemble des êtres humains. Parce que, puisque nous sommes des émetteurs-récepteurs, si vous guérissez vos blessures intérieures, vous allez aussi guérir par osmose, je dirais, les personnes que vous allez croiser. Nous le voyons bien, si certains et certaines présentent aujourd'hui ces vibrations, comment elles émanent. Et on le voit particulièrement dans le travail de guérison de son arbre généalogique dans les constellations familiales. Ces constellations familiales que je propose, c'est comme du théâtre. Et la vie est un grand théâtre avec des scripts. Nous sommes venus, notre âme s'est incarnée avec le script de « je viens guérir la trahison » parce que peut-être moi-même j'ai été trahi ou j'ai trahi moi-même. Et nous allons retrouver, comme je le disais tout à l'heure, dans notre famille, des personnages qui nous mettent en face de ces vieilles blessures, de ces anciennes blessures ouvertes. Et donc, dans les constellations familiales, ce qui est extraordinaire, si une seule personne du clan
se guérit, on va voir que tout le clan va bouger parce que la vie est systémique. Vous avez certainement repéré dans la vie que vous êtes en lien. Par exemple, si vous allez faire un stage, eh bien, il y a un drapeau qui relie les personnes parce que vous êtes en affinité d'âme, en affinité d'histoire. Et donc, si une seule personne se guérit, elle va guérir l'ensemble du groupe et l'ensemble du clan. Et il y a une interaction. Tout le monde est en interaction. Donc, si une personne se guérit, elle participe aussi, et je pense que c'est important, tout particulièrement maintenant, puisque nous sommes dans une vibration rapide de transformation de notre planète. Oui, si vous guérissez votre blessure primaire, si vous guérissez la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre, si vous acceptez d'aller vers le meilleur, vers les opposés, eh bien, alors, vous allez totalement être responsable de la guérison de notre planète. Ce n'est pas rien. Donc, quand j'ouvre cette porte, je me guéris, mais aussi je guéris et j'ouvre une porte à quelqu'un d'autre qui va être en fait ma notion, mon chemin de mission d'âme. Et ça, c'est l'autre aspect. Nous avons vu l'aspect primaire de guérison, mais nous allons aller maintenant vers une autre proposition, c'est-à-dire une guérison plus subtile et vers, alors que nous avons nettoyé en nous les blessures, lorsque nous les avons reconnues et acceptées, lorsque nous avons décidé d'aller vers les qualités opposées, alors on va pouvoir aider l'autre. Tant qu'on est dans ses douleurs, dans ses blessures, on ne peut pas aider l'autre. Alors, peut-être pourrais-je vous proposer de faire des choix. Plutôt accueillir et accepter que d'être dans le rejet. Plutôt vivre l'amour et le respect de soi-même plutôt que l'humiliation. Plutôt vivre l'autonomie que la dépendance affective ou l'abandon. Plutôt vivre la confiance en soi plutôt que la dévalorisation. Plutôt choisir le pardon plutôt que la colère. Plutôt choisir l'empathie plutôt que le jugement. Plutôt mettre en œuvre ce qui doit être fait plutôt que de se laisser aller à de la paresse ou de la négligence, plutôt d'aller vers l'amour, plutôt que la haine ou la rancune, plutôt que d'aller vers la spiritualité, plutôt que d'être dans le nihilisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne lutte pas contre l'ombre, mais on allume une lumière pour se nourrir et pour transmuter. Et nous allons à ce moment-là, lorsqu'on n'est pas dans le contre, mais dans le avec, nous allons nourrir nos intentions. Mais faut-il encore avoir des intentions? Alors, si je fais juste une petite synthèse. Un, il est important de reconnaître déjà sa blessure, de l'accepter et de voir que cette blessure, c'est celle qui se répète le plus souvent dans votre vie. Deux, on va conscientiser comment vous alimentez cette blessure. Puis ensuite, en trois, vous allez
identifier la qualité que vous voulez développer à sa place et tenter de l'exprimer le mieux possible et le plus souvent possible. Encore une fois, soyez gentils avec vous. Ne vous sentez pas ni dévalorisé, ni incapable, ni je ne sais quoi encore. Nous avons d'incroyables nombreux adjectifs pour nous sous-estimer. Je redis cela. Levons-nous, nous sommes des petits dieux, mais nous avons oublié lorsque nous nous sommes incarnés. Alors, fort de cela, eh bien maintenant je vais vous inviter non pas à m'écouter de manière mentale, intellectuelle, mais juste de prendre un temps et de vous laisser écouter, vous laisser insuffler ce qui est là, ce que votre âme a à vous dire. Alors, je vous invite maintenant à fermer vos yeux. Et nous allons prendre quelques grandes respirations. Nous allons inspirer profondément et expirer profondément. Et tandis que vous inspirez profondément, ressentez comme si vous aviez une fleur de lotus au-dessus de la tête que vous laissez ouvrir. Et les muscles de votre tête se relâchent et s'endorment. Se relâchent et s'endorment. Puis, portez votre conscience au niveau de votre front et permettez aux muscles du front de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles de votre front se relâchent et s'endorment. Puis, observez maintenant les muscles de votre visage, tout votre visage, et les muscles de la bouche, des lèvres, de la langue, se relâchent et s'endorment. Et tandis que votre visage se relâche, tous les muscles maintenant sont détendus, relâchés. Portez maintenant votre conscience au niveau de votre cou, les épaules, les bras, les avant-bras et les mains. Et permettez à cette région noueuse par excellence de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles de vos épaules, de votre cou se relâchent et s'endorment. Puis, observez maintenant les muscles de votre dos, tous les muscles de votre dos situés entre nuque et coccyx. En vous concentrant sur les muscles de votre dos, permettez-leur de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles de votre dos se relâchent et s'endorment. Puis, portez votre conscience sur les muscles de votre thorax et permettez aux muscles de thorax de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles du thorax se relâchent et s'endorment. Puis, portez votre conscience au niveau de votre ventre. Et permettez aux muscles maintenant de l'abdomen de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles de l'abdomen se relâchent et s'endorment. Maintenant, vous allez vous connecter à votre grande amie aussi. Vous avez votre âme, mais vous avez aussi votre souffle. Le souffle qui vous accompagne du premier jour de votre vie jusqu'au dernier jour.
Et tandis que vous inspirez profondément et que vous expirez profondément, sentez que vous descendez un peu plus profondément dans votre état de calme et votre état de paix. Nous allons descendre encore un peu plus profondément dans cet état de calme. Pour cela, imaginez devant vous comme un magnifique escalier de marbre blanc. Il comporte 20 marches. Vous allez les descendre. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes maintenant descendu un peu plus profondément dans votre état de calme et votre état de paix. Sentez, ressentez que vous êtes maintenant dans un lieu, une place qui est votre place, où rien ni personne ne peut venir vous perturber, où vous vous sentez parfaitement en sécurité. Là, dans ce lieu, imaginez qu'une bulle de lumière vient entourer votre corps, mais votre corps physique, mais pas seulement, tous vos corps, et vous êtes parfaitement en sécurité, entouré de cette bulle de lumière, entouré de ces maîtres et de ces guides qui sont là pour vous souffler ce qui est bon et juste pour vous, ce que votre chemin est possible d'être. Juste portez-vous dans votre cœur et demandez avec gratitude à vos maîtres, à vos guides, à tous ces êtres de lumière, quelle que soit votre obédience. Si vous n'avez pas une obédience particulière, reliez-vous juste à votre surmoi, à cet être plus grand que vous, qui sait, qui connaît et qui ne demande que votre bonheur et rien que votre bonheur. Alors, écoutez. Écoutez là dans votre cœur, quelle est ma plus grande blessure première? Qu'est-ce qui, à chaque fois, se rappelle à moi? Qu'est-ce qui me fait souffrir et que je retrouve sur mon chemin? Je vais me taire pour quelques instants et écouter sans chercher, laissez venir ce qui vient vers vous maintenant. Laissez-vous insuffler par ce qui est là. Je voudrais remercier mes maîtres et mes guides, Amma et Sri Vishwananda, pour que ce moment d'écoute à vous-même soit fructueux, soit vrai, soit joyeux, soit clair. Peut-être aurez-vous des images ou des sensations, un mot qui vous vient. Laissez venir. Chacun, ça peut être différent. Et je remercie avec gratitude pour ce qui se passe maintenant. Puis doucement, en remerciant
Vous allez doucement revenir à la surface de vous-même. Vous allez sortir de cette bulle. Vous allez retourner vers l'escalier de marbre blanc. Et nous allons remonter les marches. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, vous allez prendre une grande respiration, vous allez pouvoir bouger les mains, bouger les pieds, vous étirer, comme si vous aviez fait une longue nuit. Et puis, vous pourrez prendre votre crayon et noter ce que vous avez ressenti juste là. Et je vous invite simplement, peut-être si vous avez envie de partager, quelle est la blessure qui vous a semblé la plus juste et la plus récurrente. Alors, je vois qu'il y a... Alors, pour l'instant, c'était des réponses qui étaient déjà là avant le début de l'exercice, hein, qui sont notées. Et c'est marrant parce que moi, je n'ai pas senti de blessure, en fait. J'ai senti amour et légèreté. Mais c'est super. Magnifique. 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 Ça prouve que tu as déjà fait un chemin. Alors, quelles sont les... Alors, Juliette parle de la blessure de rejet. D'accord. Ensuite, je vois... Marie-Antoinette a eu peur de tomber et la peur du néant. Oui. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, mais souvent, lorsqu'on ne pratique pas souvent, effectivement, on a l'impression qu'on va basculer. Parce que c'est notre, en fait, c'est notre mental qui nous rappelle à l'ordre, si je puis dire. Parce que lui, il n'aime pas du tout qu'on se mette dans la paix, dans la joie ou dans l'amour. Parce que lui, il a des objectifs et il ne veut pas, entre guillemets, mourir. Nous n'avons pas d'ailleurs à enlever totalement notre mental, hein. Nous avons simplement à le mettre un peu en veilleuse. Alors, je vois que Nathalie parle de tristesse et de pleurs. De tristesse et de pleurs. Mmh. Et Amour parle de trahison. Oui. Marie a eu des émotions très vives, des pleurs pour manque d'amour et de respect. Oui. Roland. Parfois, on n'est pas. Pardon. Oui, je t'en prie. Rolande pense qu'elle doit prendre le contrôle. Oui. Alors, si je puis me permettre, Rolande, ce n'est pas ton âme qui parle là. Hein? Parce que le contrôle, il n'est pris que par le mental. Il n'y a pas de brutalité, il n'y a que de la bienveillance dans notre âme. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui disent voilà, le déni de moi. Parle du déni de lui. Juliette, oui. Blessure du rejet, mais surtout transparence, joie en continu. D'accord. Claude nous dit le mal-être de la perte de mon fils de 24 ans. Et Sandra nous parle de trahison et de rejet. D'accord. Je voudrais vous remercier pour ce partage. Et dans les émotions négatives, vous avez bien entendu que pour la transmutation, c'est d'aller et de s'efforcer d'aller dans les qualités opposées. Donc, je vais vous inviter, là, à reprendre quelques instants, parce que nous allons, pour aller vers son programme de prioritaire d'accomplissement de sa mission d'âme, il faut passer obligatoirement par cette acceptation, par... voir ce qui est, voilà, sans le juger, et de tenter d'aller vers le meilleur. Je sais bien, dans certains cas, c'est difficile, il y a des blessures très douloureuses,
Et je remercie Claude en particulier d'avoir partagé le fait que la blessure et la douleur de la perte d'un enfant, c'est évidemment extrêmement difficile. Mais en même temps, je voudrais profiter de ton partage, Claude, pour te dire qu'en même temps, les âmes ont choisi un parcours particulier. Elles ont choisi un parcours particulier et parfois, elles ont décidé d'emblée d'avoir un parcours court. Et parfois, il s'agit, dans cet acte particulier, de faire, par la blessure et par la souffrance, évoluer les parents. C'est dur à entendre ça, mais c'est une réalité. Et aussi, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'à partir du moment où on va tenter de choisir la joie plutôt que la blessure et la souffrance, eh bien, on va aussi aider les êtres et les âmes qui sont partis. Donc, j'invite vraiment à aller vers l'autre proposition qui est l'opposé de ce que l'on vit. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Et ce qui n'est pas facile non plus, c'est de sortir dans sa zone de confort. Parce que nous connaissons des situations et parfois il est plus confortable de rester dans des situations douloureuses que d'oser changer et d'oser expérimenter quelque chose de tout autre. Alors, je vais vous inviter de nouveau. Nous avons également deux réponses sur YouTube. Dominique qui dit que pour elle, c'est la blessure du doute qui mène à la procrastination. Oui. Et Elena qui nous dit « Il apparaît que j'ai été effrayée de quelque chose quand j'étais petite, mais je ne sais pas quoi. » D'accord. Donc, on peut, même si on ne sait pas, on peut dire juste un effroi. Hein, être dans l'effroi plutôt que d'être dans la confiance, par exemple. Hein? Oui. Et Claude te répond, Claude, je sais tout ça, merci, mais c'est dur de s'en sortir. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir, ça aussi, et c'est valable pour tout le monde, mais dans des situations particulières telles que toi, Claude, on ne nous fait jamais vivre au-delà de nos capacités d'acceptation et au-delà des capacités d'expérimentation. Alors, ça veut dire que dans certains cas, quand c'est particulièrement difficile, c'est que vous avez une force intérieure incroyable qui est à votre disposition pour faire cette transmutation. Donc, on va demander à nos guides de descendre pour cet instant. Donc, je vais vous inviter maintenant à avancer par rapport à votre programme prioritaire d'accomplissement. Une fois que vous prenez conscience des qualités que vous avez et que vous avez ou à développer ou développer, eh bien, vous allez pouvoir vous accomplir personnellement, mais aussi partager pour le bien de tous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vous permettre d'être participant du meilleur du monde possible. Peut-être pourrez-vous contribuer à des guérisons sous une forme ou sous une autre. Vous pouvez être dans la musique. La musique, parfois, il est préférable d'avoir des sons que des mots. Les mots, vous l'écrivez comme vous voulez. Parfois, vous pourrez peut-être contribuer à votre mission de vie dans l'enseignement. Vous pourrez avoir envie d'être dans l'élévation de conscience, dans le respect des enfants, dans le respect de la nature, de la terre. Ma question est, à cet instant, quelle est votre
Aspiration profonde. Pour en être plus conscient, je vais vous proposer de nouveau de vous intérioriser et d'écouter peut-être un verbe qui va vous venir spontanément. Juste sans chercher, juste écouter. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être apprendre, transmettre, partager, enseigner, jouer, créer, écouter ou bien d'autres choses encore. Avant de faire encore ce temps de silence, certainement vous avez parfois la notion de ne pas suffisamment vous connaître. Et donc je vais vous inviter dans les jours qui vont suivre à demander à vos amis, aux relations que vous avez autour de vous, qu'ils vous disent comment ils vous définiraient le mieux. Quelle est la qualité qui définit. Et nous allons, dans ce moment, chercher un outil principal qui va vous aider à mettre en lumière les moyens d'accéder à ce plan-là. Alors peut-être, si je vous donne un exemple, le moyen, ça pourrait être enseigner à travers la spiritualité ou enseigner à travers la musique ou par l'accompagnement d'animaux, par la parole, par l'écoute, par l'écriture ou bien autre chose. Alors, je vais vous inviter maintenant de nouveau à fermer vos yeux. Et comme nous avons déjà fait ce temps de silence, d'intériorisation, nous irons un peu plus vite. Simplement, prenez trois grandes respirations. Je vous rappelle que pour faire de bonnes inspirations et être dans le calme, il va falloir gonfler le ventre, monter dans les différentes régions pulmonaires, faire un petit temps de rétention et d'expirer le plus lentement possible. Alors, inspirez profondément, montez, montez, bloquez votre respiration et rejetez l'air. Faites une deuxième grande inspiration. Puis, expirez profondément. Faire une troisième inspiration. Et expirez profondément. À cet instant, ressentez en vous quel serait l'outil qui va vous permettre d'accéder à cette nouvelle valeur que vous voulez exprimer. Écoutez un verbe et un moyen. Une fois encore, je voudrais remercier vos maîtres et vos guides, tous ceux qui concourent à votre évolution sur cette terre, qu'ils vous insufflent le mot juste pour vous maintenant et le moyen juste pour vous maintenant. Je remercie avec gratitude pour ce qui se passe et laissez juste venir sans chercher, sans juger. Laissez-vous souffler cet outil de transmutation. Le miracle est de croire au bonheur et rien qu'au bonheur.
et ne plus s'identifier à ses blessures, mais de développer ses potentiels. Et je vais être un petit peu, comment dirais-je ? Je voudrais rappeler que le potentiel qui s'écrit P-O-T-E-N-C-I-E-L, moi je l'écris le pot en ciel. Oui, nous avons des amis. Nous avons des amis, ce sont tous nos potentiels que nous ne n'éveillons pas, que nous ne laissons pas exprimer. Et c'est cette énergie d'amour qui est à chaque instant auprès de vous. Alors, maintenant, vous allez prendre une grande respiration. Vous allez revenir à la surface de vous-même. Et si vous le souhaitez, maintenant, vous allez ouvrir les yeux, vous étirer un peu et noter sur votre page blanche vers quoi vous avez envie de tendre et comment vous avez envie de tendre vers cet objectif. Si maintenant vous avez envie de partager, puisque vous avez m'a fait la gentillesse de partager les blessures, je serais heureuse de savoir maintenant si vous avez pu connecter un outil, un objectif, un désir profond, une volonté d'aller vers autre chose, d'aller vers ses valeurs et ses qualités. Et je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à faire ce partage. Alors, vous n'allez peut-être pas me croire, hein, mais moi, ce qui m'est venu, c'est animer l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, je crois que je suis sur le chemin. C'est pas mal. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse sur YouTube non plus. C'est parfois un petit peu plus difficile à venir. Mmh. Nous sommes tellement reliés à nos blessures plutôt que d'accepter nos qualités et nos désirs profonds que parfois, il y a un petit temps avant de choisir d'aller vers le meilleur. C'est pas faux. Alors, Sylvine, enseigner l'aspérité, soigner avec mes mains, super. Praticienne Reiki, magnifique. Marie, écrire, oui, super. Oui, très bien. Alors, libérer les âmes, Françoise, c'est magnifique parce que ça peut être sous plein de formes. Hein? Bravo. Claude, oui. Aider les personnes qui ont perdu des enfants, oui. Alors, c'est un fait que l'idée, c'est de magnifier, si je puis dire, nos blessures en devenant au service des autres. Et quand on devient au service des autres, alors on est dans son plan de mission. Merci pour le partage. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de relire ultérieurement cette page, de voir ce que vous portez et ce vers quoi vous avez envie de tendre. Alors, bien évidemment, Juliette nous dit qu'elle a hésité. Il lui semblait avoir plusieurs verbes. Aimer, puis nettoyer, masser. Mais c'est toujours la même chose parce que masser, c'est aussi une forme d'amour. C'est de s'approcher de l'autre. Donc, c'est aimer aussi. Merci Juliette pour ce partage. Alors, bien sûr, vous avez tous et toutes des désirs, mais souvent, vous les avez eus, mais vous les avez mis en suspens ou vous n'êtes pas allé au bout de votre désir profond. Et la mission de vie, c'est quand vous allez être vraiment décisionnaire de passer à l'acte, de faire ce changement qui est parfois radical.
Et ce n'est pas facile parce que, en fait, ça demande d'être, comment dirais-je, de sauter dans le vide, comme je le disais tout à l'heure, et c'est d'oser vivre quelque chose de tout nouveau, de tout autre, qui n'est pas toujours confortable. Et souvent, nous préférons, comme je le disais, rester dans notre zone de confort. Mais si nous nous abandonnons à cette demande impérative du cœur, vraiment, à ce moment-là, nous allons pouvoir faire ce saut quantique, faire ce passage du pont de l'ombre à la lumière. Et pour cela, le maître mot, il n'y a qu'un seul maître mot, c'est la passion. La passion que vous allez pouvoir vivre aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle ou familiale. Donc, cette passion, c'est à partir du moment où vous allez connecter vraiment ce qui est juste pour vous, qui vous met en joie, alors vous allez pouvoir le partager. Et c'est cette joie et cette passion du fond du cœur qui vous amène et qui vous fait vivre ce plan de mission. Il n'y a plus de questions quand on a trouvé ses dons à partager. Il n'y a plus de questions quand on a trouvé ses dons à partager. Alors, D'ailleurs, oui. sur YouTube, Dominique nous dit peindre, sculpter, planter, aider. Et Oui. Elena nous dit être enseignée par l'écriture, répandre la joie. Magnifique. Et Oui. Pascal nous disait dans le chat là, accompagner au lâcher prise et reconnaître sa valeur. Oui. C'est tout un arc d'accueillir et de reconnaître sa valeur, parce qu'une fois que vous l'avez reconnue, alors vous pouvez transmettre et vous aider quelqu'un d'autre à avancer sur son chemin. C'est dans les deux sens. Alors, vous avez partagé. Je vous invite encore, et on le verra aussi dans l'atelier, plus profondément, puisque je ferai de nombreux exercices complètement différents de ce que nous venons de faire là, de trouver ces dons, de trouver ces valeurs pour pouvoir les exprimer maintenant dans votre vie. Lorsque vous vous portez dans votre cœur, votre guide intérieur se réjouit de pouvoir vous aider. Et ce que j'aimerais, c'est que, à la lumière de ce que vous avez vu, de ce que vous avez écrit, j'aimerais que, pour quelques instants, vous refermiez vos yeux. Imaginez qu'à cet instant, vous acceptez d'aller vers le meilleur de ce qui est juste pour vous dans les qualités que vous avez évoquées tout à l'heure. Accompagner, aimer, masser, écrire. Enseigner, soigner. Et bien d'autres choses encore que vous pourrez encore retrouver vous-même en refaisant ce temps de silence. Maintenant que vous acceptez que vous savez que vous n'êtes pas parfait, que vous savez que vous avez des blessures, mais que parce que vous les acceptez, vous les transmutez. Parce que vous n'avez pas de jugement sur cela, alors ressentez au plus profond de vous la vibration de votre cœur parce que vous avez pris cette décision, une décision consciente. Face à cette décision et surtout à l'acceptation de passer à l'acte. Car tout ce que je vous dis là n'a pas de sens
si une fois que vous avez connecté vos valeurs, vos qualités, votre désir profond d'une vie joyeuse, heureuse, qui vous amène de la légèreté, de la clarté, de l'amour, alors si vous ne passez pas à l'acte pour des transformations, cela reste lettre morte. Alors j'espère que je serai aujourd'hui suffisamment contagieuse pour que vous acceptiez de mettre en place ce que vous avez vu cet après-midi. Faire un acte de foi, faire une promesse à vous-même et seulement à vous-même, à personne d'autre, de passer à l'acte pour aller vers ses qualités, vers ce que vous portez. Vous n'êtes plus à ce moment-là un preneur, mais vous devenez un donneur. Lorsqu'on est preneur, on est dans un système de survie. Mais lorsque l'on est donneur, vous êtes dans la vie et vous êtes dans votre plan de mission. Alors, si vous ressentez cette joie d'être dans l'acceptation de vivre vraiment et de mettre en place ce que vous avez vu cet après-midi, eh bien, accordez-vous la paix, oui, je vais dire ça comme ça, qui nécessite ce changement. C'est-à-dire que nous avons nos résistances, nous avons nos doutes, et ils sont très puissants. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides, vous avez vos maîtres. Vous avez beaucoup d'êtres incarnés ou pas qui sont à votre écoute et qui sont là pour vous guider. Et la vie elle-même est le guide. Si vous observez autour de vous les rencontres que vous allez faire dans les jours à venir, eh bien, un livre que vous allez trouver sur votre chemin, une proposition de séminaire fait par quelqu'un d'autre, un papillon qui passe autour de vous, tout peut faire sens et tout peut vous donner des explications pour vous autoriser au changement. Alors, quelque chose s'est donc transformé, mais il n'y a pas d'intention. Il y a juste laisser venir l'élan de votre âme, de votre cœur, et prendre du plaisir dans l'amour, par l'amour et avec l'amour. Tout ça, de vous à vous. On laisse se manifester ce qui est déjà là, en fait. Et ceci se fait dans le silence. Ceci se fait dans l'acceptation. Et à ce moment-là, lorsque l'on laisse se manifester, on sait qu'on est dans la vie. On est dans le « je suis ». Yeshua, Jésus. Je ne fais pas de reliance avec une notion biblique, mais simplement de spiritualité. Je fais partie de l'université des valeurs, et à ce titre, il y a des êtres qui ne sont pas des êtres incarnés aujourd'hui, mais qui peuvent être dans une aide absolument extraordinaire. Ce sont les grands archétypes divins. Et eux peuvent nous aider à passer ce pont. Alors, c'est ce que je vous proposerai de faire dans l'atelier, parce que plutôt que d'écouter une simple thérapeute, vous pouvez vous relier à ces êtres divins qui ont une énergie d'amour colossale. Et à partir du moment où vous faites cette promesse à ces archétypes-là, vous allez être porté par une autre énergie qui vous permettra d'aller vers « je suis », vers votre être. Donc,
Voilà ce que je voulais vous dire. Ce sont des exercices simples qui seront faits. Il y en aura de nombreux. Peut-être avant de terminer cette rencontre, je souhaite ardemment pouvoir mettre mon expérience et mon enthousiasme au service de tous ceux et celles qui sont prêts à faire des transformations profondes par une intégration douce et respectueuse de votre rythme. L'âme, votre âme, ne vous pousse en rien. Elle est bienveillante et elle n'est pas dans le jugement. Cela se fera dans votre temps qui vous est nécessaire pour accepter d'aller vers le meilleur pour vous dans les temps à venir. Sachez donc, et je remercie Stéphanie de l'avoir dit, qu'il y a des web ateliers possibles. Donc, ceci n'est juste qu'une petite présentation. Je vous invite seulement à prendre peut-être, si ce n'est que 3 minutes par jour, ce n'est pas beaucoup sur 24 heures, d'écoute en silence, d'une assise en silence, pour que vous entendiez ce que vous avez à vous dire pour aller vers votre chemin, vers votre juste chemin. En tout état de cause, je souhaite que vous ne renonciez jamais à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie peut être une magnifique aventure si on accepte d'aller vers le bonheur et rien que le bonheur, et que si l'on décide de mettre de côté la raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, tout d'abord avec nos blessures, parce que nous sommes juste venus expérimenter la vie et expérimenter l'acceptation du changement pour aller plus haut, pour aller plus joyeux. Soyez fiers d'être ce que vous êtes, parce que vous avez un destin et vous pouvez maintenant accepter de le réaliser. Et peut-être ce que je formulerais, c'est que aujourd'hui, vous soyez à votre propre service d'abord, pour le meilleur avenir, pour devenir au service des autres, pour être à ce moment-là co-créateur d'une nouvelle vie pour cette planète qui est en pleine mutation. Choisissez ce moment tout particulier qui est là depuis les années 2000 déjà, mais sachez que en 2024, si nous continuons à nous connecter à ces énergies subtiles de transformation, eh bien nous pouvons être dans un monde de création absolument extraordinaire. Et je vous invite à le croire, je vous invite à aller vers votre liberté, votre joie de vivre et votre amour pour vous. Voilà, je voudrais vous remercier. S'il y a des questions ou s'il y a des partages, je suis à votre écoute. Oui, alors il y a Pascal qui nous dit « Mon âme me demande tellement de vivre ma mission que l'activité de ma société actuelle est en train de s'arrêter et m'impose d'y mettre fin, ce que j'ai fait vendredi dernier. » Wow. Alors, merci pour ce partage. Il est un fait que ce n'est pas toujours totalement confortable parce que quand on choisit d'aller vers sa mission d'âme, très souvent, ça nous fait totalement nous changer d'orientation de vie. Mais c'est toujours, toujours pour le meilleur. Et Claude nous dit « Merci de ce moment de joie et d'amour. Merci aux êtres de lumière. » Sandra te dit également « Merci. » D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis le petit bouton pour cliquer pour rejoindre l'atelier en ligne proposé par Dominique le 5 octobre, vendredi 5 octobre à 20h30 en direct pour justement aller beaucoup plus avant, tout ce qu'elle vient de vous expliquer juste là maintenant. Et vous avez juste à cliquer sur le bouton et tout sera expliqué. Et vous aurez d'ailleurs un bonus, m'a-t-on dit pendant la conférence,
L'interprétation de votre prénom sera offerte pour chaque inscrit à l'atelier. Oui, merci de le dire, j'avais totalement oublié. Effectivement, donc il y a deux choses que je proposerai, effectivement, le bonus du prénom et le bonus du nom de son ange, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'après-midi. Relisez les notes que vous avez pu écrire, mais surtout, pratiquez. Pratiquez et allez vers ce que vous vous êtes promis de faire. Alors, sur un très bon moment. Oui. Sur YouTube aussi, juste avant, quand même, il y a Dominique qui nous dit merci et paix à tous et à vous deux, au plaisir. Et Elena qui dit merci de tout cœur pour toutes ces connaissances et la paix que vous transmettez. Ah, il y a également la Marie qui dit merci pour cette merveilleuse conférence. Et Claire qui dit merci pour ces partages. Je suis bouleversée et perdue. J'espère de tout cœur savoir ce que je suis venue faire sur cette terre. Bien écoute, Claire, je ne peux que t'encourager à t'inscrire pour l'atelier en direct, en ligne, avec Dominique Jacob, donc le vendredi 5 octobre, qui aura lieu le vendredi 5 octobre à 20h30. Et donc, inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le bouton « Je rejoins le programme de Dominique ». Stéphanie, je voudrais te remercier pour ce temps. Je te souhaite aussi le meilleur à venir. Et je vous dis à très bientôt sur Académie Nouvelle Vie. Également, merci beaucoup à toi pour ce temps de partage. D'ailleurs, Amour dit merci pour ce joli partage. Françoise, grâce à votre écoute, j'accepte de libérer les âmes et je n'ai plus de doute. Merci. Donc, eh bien, voilà, avec tous ces merci, nous allons vous souhaiter à tous une excellente fin de journée ou alors une bonne début de journée, suivant si vous nous regardez en replay ou en direct maintenant. Et beaucoup d'amour à vous tous et à très bientôt. Merci, au revoir.